Hello les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo MSP dans laquelle je réponds à vos messages. Donc c'est une vidéo qui a été beaucoup demandée, bien que je ne sais pas si elle intéressera tout le monde. Donc si ça vous plaît, bah déjà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez une suite déjà, dites-moi bien sûr après avoir vu la vidéo si ça vous intéresse que je refasse ce genre de vidéo, je vous réponds. On verra bien si vous aimez bien ou pas. J'avais envie d'essayer parce que vous êtes nombreux à me demander de répondre en vidéo. Donc on va faire cela et du coup c'est parti pour vous envoyer des réponses. Voilà voilà. Je t'adore, merci. Ok, le smiley est complètement foiré. Il y a son œil, il fait 3 km. On va essayer d'envoyer des petits autos quand je peux, quand j'y pense. Voilà. Alors moi aussi j'adore, il est trop beau, je t'adore Quinzel. Merci. Ah, elle dit ça par rapport à mon que fais-tu dans lequel j'écris « Hey, j'adore ce thème » parce que c'est vrai, j'adore ce thème. Il est vraiment très beau. Elle est trop belle comme d'hab. Je peux passer dans une de tes vidéos. J'aimerais qu'on me connaisse un peu plus comme Lalo. Ouh loulou, Lalo elle est connue. Lalo is very famous. Vois Lalo, si tu passes par là, tu es très la popularité. En tout cas, bah écoute, tu passes dans la vidéo la princesse Camille, donc n'hésitez pas à l'ajouter, hein, la princesse Camille 993. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons là, merci beaucoup pour tes échos. C'était qui? C'était... Ah, c'est elle qui m'a dit ça. Mais merci à toi. Ça, c'est, tu vois, les gens qui me disent merci. Mais alors qu'il m'en envoie 150 des autos, je ne renvoie qu'un seul auto parce que je peux pas vous envoyer autant d'autos que vous le faites puisque vous m'en envoyez mais tellement. Je vais faire un live ou pas, désolé, c'était pas moi sur le compte lol. C'est dommage qu'il ait enlevé les rares. Coucou la Quinzel, coucou. Oui c'est dommage. C'est vraiment dommage hein, parce que... Mais ça va revenir, ça va revenir. Bon tu vas lui dire mais ça va revenir. Les gars, je t'adore. On va essayer d'avancer sur les messages et faire les messages que je n'ai pas vus encore. Bien, tu m'as fait flipper. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors. Sinon, je me suicide. 15 ans, je vais me suicider. Au sel mourrais-tu me donner? Ok. La cour que t'as s'il te plaît, sinon je t'adore. What? Sinon je me suicide. Coucou, tu peux me faire VIP, sinon je me suicide. Ah. 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 Alors clairement, hein. Je sais pas si c'est un troll. Je ne sais pas si c'est un troll, mais on va voir. Parce que des fois, j'hésite à enlever directement et bloquer ce genre de personnes. Je sais pas. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un troll. Ça doit être quelqu'un qui essaie vraiment de gratter, je sais pas. Du coup, je vais enlever directement de mes amis. Hein. Je vais pas... Directement bloqué. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est pas que voilà. Hein. Mais les gens qui m'envoient... De toute façon, je pense que si je continue à vous faire des vidéos sur je vous réponds, etc., etc., vous le verrez, hein. Moi je ne censurerai pas, je montrerai clairement ce qu'on m'envoie, sauf bien sûr si c'est des trucs trop privés, là oui. Mais là clairement les gens qui m'envoient des messages, ouais je vais me suicider si tu me mets ma vie, je vais me suicider si tu me donnes pas un t-shirt, voilà je vais me faire du mal, ce genre de choses. Ou bien le genre de personnes qui te disent mets-moi vie, j'ai le cancer et ce genre de choses. Alors clairement c'est pas bien ce que vous faites, c'est vraiment pas bien. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades, qui sont vraiment, qui ont vraiment le cancer, etc. Et déjà d'une, c'est respectueux pour ces gens-là qui se battent pour vivre et juste pour un VIP quoi. C'est quoi ça? Pour un VIP, tu veux te suicider? Mais non, n'importe quoi. Je propose un échange, s'il te plaît, pour le live. Salut, ta chaîne YouTube, salut, ça va? Bah, coucou. Ça va et toi?
En même temps, ça me permet de faire un petit tri, hein, mais là, clairement, je ne savais pas quoi dire hein, pour la personne de tout à l'heure. Coucou, je t'adore et coucou YouTube, ça, est-ce que tu peux ouvrir le t-shirt avec moi, s'il te plaît, je t'en supplie, je t'en continue comme ça. Tes vidéos sont super, coucou, merci. Les t-shirts sont à gagner en live. Alors pareil, hein, pour les personnes qui m'envoient ce genre de messages, je fais, j'en profite hein, pendant que je suis dans cette vidéo pour vous passer des messages. Mais ça sert à rien de me demander en privé des t-shirts, des VIP, des machins, etc. Tout ce que je vous fais gagner, je le fais gagner en live directement. Je fais pas de favoritisme parce qu'une personne me demande. Et le pire, c'est que ce genre de messages, j'en reçois très régulièrement. Rendez-vous compte que je reçois au moins, je sais pas moi, quand je suis en live, au moins une cinquantaine de messages pendant le live sur en message privé sur sur MSP pour me dire oui, donne-moi ci, donne-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. C'est pas possible. Je ne suis pas millionnaire, je ne peux pas faire ça. C'est techniquement pas possible et même si je ferai, je pense que je ferai de toute manière en live directement. Donc tout ce que je fais gagner, c'est en live. Voilà, voilà. Alors, coucou Knazel, pourquoi tu réponds à tout le monde à part moi? Coucou, s'il te plaît, réponds-moi. Coucou, je réponds pas à tout le monde, sauf à toi, je réponds à personne en général, quoi. J'ai envie de te dire. Hein. Et te souhaite le meilleur sur MSP. Hein. Alors, bonjour, je fais partie de ce genre de personnes qui ne s'intéressent pas aux personnes qui se trouvent dans les tops. Puis un jour, en divulgation sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo de toi et sache que je t'apprécie beaucoup. Et je trouve tes vidéos amusantes, passionnantes et parfois instructives. Je ne te ferai pas de demande d'amis car tu dois en avoir beaucoup trop. Puis je suis une movie parmi tant d'autres et je ne vois pas pourquoi tu dirais non aux autres. Et oui, à moi, enfin bref, sache que je te soutiens et te souhaite le meilleur sur MSP et IRL, cordialement signé sur Isette 2001, âgé de 16 ans. Bah écoute, je te remercie énormément Cerisette, c'est rare de recevoir ce genre de message et ça fait plaisir, ça remonte entre guillemets le niveau de message des fois que je peux recevoir, donc ça fait quand même plaisir. Enfin, j'essaie de lui cliquer dessus, on va lui envoyer un auto et on va lui envoyer une demande d'invitation. Alors Cerisette, si tu vois cette vidéo, recense-toi dans ma vidéo tri d'MSP de septembre. Pourquoi septembre? De février 2018, voilà, voilà, donc on envoie une petite invitation. Et Taeyong et Jungkook, alors ça sent la BTS fan, hein, si je me trompe pas. Voilà, voilà. Donc on va quand même la remercier. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ce genre de message. Voilà, donc j'espère qu'elle pourra voir quand même la vidéo. C'est le citron, merci. Envoyer un petit cœur. Alors, dragueur de filles que j'aime, lol. Déjà son pseudo, il a l'air peut-être... voilà quoi, j'ai envie de te dire. Coucou, je peux avoir un compte VIP. Eh oh, je ne suis pas ton toutou. On ne le dit pas, eh oh, hein, tu te calmes. Voilà. Bon, ça me permet au moins de bloquer un petit peu les gens comme ça. Sorte mon compte, 15 à YouTube, lol. Non, c'est le mien. Bonjour Madame YouTube. Madame YouTube, d'accord, je suis Madame YouTube. Mon mari, c'est Monsieur YouTube. Bonjour. Je suis messagère de la planète des Lunistars. Une personne m'a dit de vous prévenir de la fin de votre espèce. Bonne continuation. Oh, mince. Oh, mince, YouTube va s'extincter. Je sais même pas si ça existe ce mot s'extincter, mais c'est rigolo. Donc on a envoyé besoin de quelqu'un pour parler sérieusement, c'est pas une blague, c'est par rapport avec l'école et tout ça, réponse s'il te plaît. Coucou, dis-le si tu veux me parler sur MSP, c'est compliqué, trop de messages. Alors je m'en doute hein, qu'il doit y avoir des personnes qui me contactent avec ce genre de choses, ce genre de problème. Moi, il n'y a pas de souci, hein, je veux bien en parler. Bon, c'est un peu compliqué de commencer à parler avec tout le monde parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir des soucis d'harcèlement, etc. C'est pour ça également que j'ai fait la vidéo d'harcèlement pour que tout le monde puisse partager leur expérience sous la vidéo de l'harcèlement. Mais individuellement, vous êtes nombreux et du coup, vous répondre à tout le monde, c'est pas possible. Même sur Discord, je commence à avoir du mal à répondre à tout le monde. Mais en gros, vraiment, si vous avez besoin de parler ce genre de choses, essayez de vous trouver l'un de vos parents ou bien votre meilleur ami, ce genre de choses. Parce que c'est
Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'en parler, voilà. Je t'aime. Merci. Merci d'avoir des têtes le compte de sale puche. Elle m'a tué. Et vous à sa chaîne si tu filmes, bisous à tous. Oh, c'est trop gentil, merci Biscuit. Ah, je crois que j'ai raté un message, c'est pas grave. De toute façon, t'apporte personne, je suis sur personne et mon ami. What? Avec un zèle. Elle me fait peur, elle me fait peur. Mais j'ai pas compris. Elle veut que j'accepte ton ami, mais après, de toute façon, t'apporte personne, je suis personne et mon ami. What? J'ai pas compris. Alors, coucou Quinzel, je sais qui est l'harceleuse. Une fille a recréé un compte du nom de Quinzel Labré. Elle m'a dit que c'est pas elle, MDR. Je crois pas du tout. Elle m'a dit son compte, c'est Beyoncé. Hashtag formation, c'est elle qui t'a harcelé. Harcelé, c'est Beyoncé. Formation niveau 21, VIP. Alors, honnêtement, c'est pas que je te crois pas, hein, Laura de MSP. Hein. C'est juste qu'il y a 36 personnes qui m'ont déjà essayé de me prévenir, même sur Discord, où j'ai déjà vu qu'il y a certains messages en me disant « Oui, c'est XYZ qui était sur le compte Quinzel Lavry. » Le problème, c'est que je ne pourrais jamais être sûre à 100% que c'est cette personne-là, et c'est pour cette raison-là que je n'enverrai personne, aller voir personne. Justement, le but de l'harcèlement, c'est ne pas harceler les mauvaises personnes, déjà, et ne pas harceler du tout même. Du coup, je n'enverrai personne sur bah, du coup, Beyoncé, hashtag formation, parce que déjà d'une, il n'y a aucune raison que ce soit elle à 100%. On ne peut pas, on ne le saura jamais, j'ai envie de te dire. Et même si je le savais, honnêtement, si je savais qui était sur le compte de Quinzel Lavré, je l'aurais même pas dénoncé, je pense, parce que même si cette personne a écrit des choses extrêmement mauvaises, j'espère qu'avec les vidéos, elle regrette un petit peu de se rendre compte que ça a pu faire du mal, et de deux, que le but, c'est pas non plus de l'harceler en retour, hein, c'est vraiment pas le but. Voilà, voilà, et pour ceux qui n'ont pas compris de quoi je parle, allez voir ma vidéo sur « Je pirate une fille », sur l'harcèlement. Non, le premier, c'est sur l'harcèlement, parce qu'il y a trois parties de vidéo. Le premier, c'est l'harcèlement, le deuxième, c'est « Je pirate une fille », et le troisième, c'est « Je deleted ». Voilà, donc c'est les trois sur MSP, « Je deleted » sur MSP. Ce sont trois parties de vidéo qui sont à la suite, voilà. Donc n'hésitez pas à les voir. Je suis abonnée à ta chaîne YouTube. Tu peux me donner un pull à Sacrifice Starquad. Ils sont à gagner en live. Voilà, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Et merci pour les cadeaux. Merci, merci, merci. On va envoyer un petit auto si je peux. Voilà, petit autographe des familles. Je t'adore, Quinzel. J'adore ta chaîne, s'il te plaît. Accepte-moi, Nani. J'adore ta coiffure dans la... On dirait une manga, j'ai présenté ta chaîne à une amie fan de manga, elle a adoré, s'est abonnée, tu es la meilleure. Bah écoute, merci beaucoup. Alors, on va lui demander en ami. Par contre, Happiness, c'est pareil que pour Cerisette, il faut que tu penses à te recenser dans ma vidéo tri MSP février 2018, puisque je n'ai toujours pas fini le tri d'amis, et bon, ça serait dommage que... tu acceptes mon invitation et au final que je t'enlève des amis parce que tu n'es pas sous la vidéo. Voilà, donc je rappelle. Et bah merci beaucoup. Je le dis en vidéo parce que j'ai un petit peu la flamme de tout écrire. Voilà, voilà, merci beaucoup. Et merci pour la pub. Je sais pas si le mot pub va passer, mais ça va, si ça passe, merci pour la pub. C'est gentil, hein, merci de m'avoir accepté. Pas de soucis. Ah bah vu qu'elle est là... N'oublie pas d'écrire. Février 2018, on va quand même lui dire. Pas d'écrire ton pseudo sous la vidéo tri février 2018 parce que ce serait dommage. Non mais chance que mon ami s'il te plaît. Et tu peux me relooker s'il te plaît. Coucou. Pour être relooké, il faut écrire son pseudo. La dernière vidéo relooking, voilà, puisque les vidéos relooking, je prends toujours 3 personnes aléatoirement sur la dernière vidéo relooking. Voilà, donc il faut se recenser sous cette vidéo là avec son pseudo de Movie Store, bien écrit, parce que je fais un copier-coller. Voilà, voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'être dans mes amis, vous n'êtes pas obligé d'avoir un certain niveau. Ça peut être des gens qui ne sont pas dans ma liste d'amis, ça peut être des gens qui n'ont pas, qui sont bas niveau. Même si j'essaye quand même d'avoir grand maximum une personne bas niveau dans une vidéo, parce que le problème des personnes bas niveau, c'est que justement elles n'ont pas forcément beaucoup d'affaires. Du coup, si je prenais 3 personnes bas niveau dans une seule même vidéo, ben, la vidéo durerait pas très longtemps, quoi.
Alors Ikerza, tu sais, j'ai déjà essayé de parler à Poupini, malheureusement, elle ne m'a jamais répondu, alors j'aimerais bien que tu me répondes. Je sais que tu as beaucoup de messages, mais s'il te plaît, merci. Merci quand même, je t'adore, bref. Coucou, merci. Mais, c'est vrai que j'ai du mal à répondre à tout le monde. Hop, on va faire un petit cœur, voilà. C'est envoyé. Coucou, allô, sale prute. Elle a quand même sorti, sale prute. Non, puche, c'est plus mignon. Mais je suis désolée, là par contre, je vais devoir te bloquer hein, quand même. Hein. Je veux bien, mais bon, abusez pas non plus. Hein. Abusez pas. Je vais me donner un ticket VIP, mais c'est pareil, c'est déjà d'une, je n'en ai pas. Enfin, bah, on va dire, j'en ai pas. Mais c'est pareil, si j'en ai un, je vous le fais gagner, ou bien je le donne à... soit je le fais gagner en concours, soit je le donne à... à quelqu'un qui déjà d'une je connais bien, je pense, c'est pas une amie qui voilà, qui a besoin d'être VIP, etc., ce genre de choses quoi. Ou bien si je dois vous l'offrir, ce serait vraiment en live comme d'habitude, voilà. Donc par contre les groupes, je vais pas y répondre. Non, en général les groupes. Comment ça va ma fille? Mon papy est sur MSP. Hello, ça va et toi? Papy, ça fait longtemps. Bon, je m'en suis pas rendu compte, mais ça fait plus d'un quart d'heure que je file déjà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, et donc je pense que je ferai des vidéos comme ça sans montage, sauf si vraiment il y a un message que je dois supprimer là pour le coup, je vais tout laisser, mais sauf si y a un message très très intime, très très privé, à ce moment-là, bien sûr, je couperai au montage là pour le coup, j'en ressens pas le besoin, mais voilà, en gros, ce que ça donnerait comme vidéo. Si ça vous intéresse qu'on fasse plus de vidéos de ce genre-là, donc je vous réponds en message, eh bien... Oh non, la vraie quincelle, mais avec un S, lol. Ça recommence. Enfin bon, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Bisous à vous. Ciao, ciao. Au revoir. C'était la quinzelle.